Bonsoir, voilà donc une petite vidéo découverte sur ce jeu qui est disponible gratuitement sur PlayStation avec le PlayStation Plus, sur PS4 et sur PC trop cher. Voilà. Et le jeu semble assez populaire en ce moment même. Je me suis dit bon, on va essayer voir ce que c'est, se disant que c'est une sorte de c'est un jeu quoi, voilà. Donc difficulté, tous les joueurs pourront profiter de l'histoire, donc c'est le mode de sac. La difficulté est adaptée pour créer des moments. Ok, donc. Ah, le jeu s'appelle Fury, mais moi je suis en train de lire Curry là. Ok. On va faire une. C'est vraiment une vidéo courte, voire un petit peu. Alors j'ai pas vu de vidéo. Enfin deux minutes d'une vidéo. Mais ouais, j'aime bien la patte la patte le chara design en fait. C'est surtout ça qui m'a fait essayer. Alors je regardais un tout petit peu les options. Il y a français. Je parle des WA pour ceux qui s'en doutent. Je regardais les options au niveau des WA. En fait on s'en fout de la scène d'intro. Moi ce qui nous intéresse c'est le gameplay, hein. Si les gens veulent voir les introductions, tout ça. Donc il y a en français, il y a en anglais, il y a en japonais pour les WA, j'imagine pas. Donc voilà, alors. Ah c'est très rapide. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe si... Ah mais ça, ok, c'est d'où je suis parti. Voilà. Je sais pas, j'aime bien le look graphiquement, c'est super simple. Je sais pas, ça me plaît bien. Ah, par contre c'est pas rapide, hein, speedrun là. Les touches ça fait quoi? Ah attends voir. Je suis en wizard. Sans les mains. Je ne touche pas le pad. Je suis en wizard. Je ne touche pas le pad. J'avance tout seul. Ce type est trop fort. Je sais pas comment il fait ça. Ok. Je pense que voir. Moi je crois que c'est un tutoriel au début. J'avais vu la vidéo de Letko. De 3 minutes. Et je pense en tutoriel. En se disant que l'OST il y a eu une bonne note. Une bonne note et tout. Et tout et tout. Et ah mais c'était le monsieur de l'intro. Ok. Ouais, je verrai bien, je laisserai les scènes si le jeu je décide de me le prendre. Je le prendrai sur PS4 je pense si je me le prends. Je le trouve trop cher sur PC. Mais là c'est juste pour la découverte. Ok. Par contre attendez, j'ai mon câble qui m'emmerde. Ok, tire. Ah ouais mais. Ok, tu peux tenir appuyé. Ok, ça c'est le tir. Coup d'épée X, je pense follow corps à corps. B c'est paré. Ok alors attends. J'aime déjà bien l'OST là franchement. Ah j'ai fait un truc. Ah par contre il y a un truc là qui me plaît pas du tout. Ah et franchement c'est peut-être la seule chose qui me ferait peut-être pas jouer à ce jeu. Je trouve les décompositions d'animation, il y a deux problèmes en fait qui me gênent vraiment. Le premier, c'est vraiment au niveau des impacts. J'ai l'impression d'avoir aucune puissance en fait. Tir chargé, RT. J'ai l'impression d'avoir absolument aucune puissance dans mes coups. Et ça, je trouve ça très gênant. Et j'aime pas l'animation quand on les décompose en fait. J'ai l'impression que c'est... que ça coupe trop et je trouve ça dommage parce que le principe du jeu, parce donc le principe du jeu si j'ai bien compris c'est que des boss fights, mais c'est des boss fights qui sont vraiment hardcore de chez hardcore. Par contre je peux pas aller au corps à corps, voilà. Oui moi je trouve l'animation qui est mal décomposée, mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Qui me gêne le plus, j'ai vraiment un manque de puissance. J'ai pas l'impression de puissance quand je frappe en fait. Et pour ce style de jeu, pour moi, c'est super important. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, ça fait vraiment, ça freine vraiment quoi.
je demande pas je parle pas d'avoir des effets techniques de fou, je parle vraiment d'avoir une impression de puissance. Attends, on va, les boules, je peux les détruire, non? Par contre, attends, il n'y a pas une autre touche pour l'esquive. Je sors ici les autres touches. R, ça fait rien. Ah, ça, c'est pour... Ok, L1. Je peux faire L1, les esquives. Est-ce que tu peux la charger? Oui, tu peux la charger. Non, franchement, je trouve pas mal, mais c'est vraiment ce manque de puissance et ces animations que je trouve mal, pas très bien décomposées en fait. Je trouve pas ça vraiment très agréable. Après tout, le gameplay est vraiment bon, l'ambiance sonore est excellente, j'aime bien la musique là. Et j'aime assez bien le chara design en fait. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Dodge du pif. L'esquive aussi est bien classe. Ouais, je lui laisserai sa chance à ce jeu, même que comme j'ai dit, ces deux problèmes là qui pour moi sont assez importants. Quoi, mettez que le tutoriel, putain. Oula. Oula. Ok, alors les boules de couleur comme ça, elles redonnent des trucs de vie. Faut bouger les deux tétons. Ah merde. Ah ça c'est hard par contre. Faut vraiment bouger super vite les sticks. Excusez-moi, j'ai mon câble du micro qui m'emmerde. C'est pas agréable. Est-ce que je peux charger? Ah, le gameplay est vraiment vraiment, c'est vraiment super cool quoi. Ah, j'ai foncé dedans. Ah, puis les boss ont 3 tonnes de vie. Essayer de récupérer le plus possible de vie. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Par contre, vu qu'apparemment le jeu est court, je ferai vraiment une vidéo courte pour pas trop spoil les gens qui seront intéressés. Oh, il a fait un hélicoptère avec son truc. Oula. Il montre la zone d'impact. Donc ça aide pour éviter. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, les boules magiques. Oh, j'ai pas réussi à avoir la dernière. Je suis déception. Oula. Moi ce qui me plaît vraiment c'est le chara design du héros. Il me fait penser à... Putain, je sais plus. Ça me fait gravement penser à... Oh putain, je fais de la merde là. Oula, j'ai décédé. Oh. Et puis il regagne un peu de sa vie. Ok, j'ai mouru. Merde, j'ai appuyé, en fait, et c'est vrai, j'ai appuyé entre le X et le rond, et je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi. Enfin, entre les 4 touches, en fait. Bordel, mais c'est chaud à sortir de là. En fait, je pense qu'il faut prendre une main et faire comme quand tu as... en fait, je sais pas. Oula. Il faudrait qu'il me relance ses boules magiques pour... se regagne ma vie. Vas-y, écoute-moi. Merci. RNG Jésus.
J'aime bien le timing des contres, il est... Oula. Ouais, si l'animation sera un peu plus mieux décomposée, enfin pas mieux décomposée, mais qu'il y aurait une décomposition plus plus complète, ça aurait été vraiment génial. Putain, mais moi je reste dedans. Ok, les boules magiques. Merde, alors là j'ai contré, mais... Ouais, j'essaie de mettre en coup entre chaque. Tiens, tu peux pas l'attaquer quand il fait ça, ok. C'est qu'ils ont vraiment pas mal de vie les boss. Bon, d'un côté... Waouh, c'est un jeu avec du boss fight. C'est un peu normal que les boss aient des vies et des HP quoi. Merde, je me suis gouré de touches. Ah, j'ai regagné ma vie, cool. Ok. Oula. En tout cas, ça me plaît pas mal. Oula, j'ai peut-être pas pu éviter ça. Non, je peux pas l'attaquer quand il fait ça. Envoyez les boules magiques. C'est pas les boules magiques, ça. Je peux pas, enfin, j'essaie de me concentrer un tout petit peu. Ah, donc je commente un tout petit peu moins. J'aurais pu faire la vidéo en différé, mais j'aime pas faire les vidéos en différé. C'était quoi ça qu'il a fait? Oh non, foiré. Merde, je suis un sac. Putain, il a vraiment 3 tonnes de vie, Jean-Paul. Ok, il reste une barre ou deux. Je pense que ça doit être sa dernière barre, là. Ok, il fait... Oula, j'aime pas ça. Je peux pas bouger? Ok, il y a eu un bug. Oula. Ok, bon, ça a pas l'air trop difficile, là. Ça pète un tout petit peu les yeux, hein. Waouh. Ah oui, c'est violent, par contre. Ça pète légèrement les yeux. Ok, donc les grosses... Ok. Alors, il faudrait peut-être pas que j'arrive à le toucher. Ok. Tu peux me redonner tes boules qui redonnent de la vie? Oh, le con. Bon, c'est quand que je peux le taper là? Ok, c'est bon. Ah non, enfoiré. Par contre, les boutons d'esquive, j'utilise vraiment les deux. L1 et X. Ça dépend tout si je me trouve proche ou loin de lui. Ah, mais il est mort. Je sais pas, Jean-Michel ou... Je sais rien. On va l'appeler Cindy. Ah. Ouais, bah écoutez, vu que le jeu est court, j'ai vraiment pas envie de vous en spoiler plus.
Franchement, je trouve ça pas mal du tout, quoi. Je pense que je vais me le prendre peut-être sur PS4 en fait. Comme ça, je l'allume de temps en temps. Un peu plus. Ouais, ça me plaît bien. C'est pas mal. C'était Curry. Fury. Regardez, regardez, sans les mains. Je suis en wizard. Mais ce qui me plaît le mieux, je pense que c'est... je veux pas aller plus loin. Ce qui me plaît le mieux, je pense, c'est peut-être l'ambiance sonore qui est vraiment énorme. Et le fait que tu sois lent, c'est peut-être chiant. Hein. C'est peut-être chiant, imagine, tu veux speedrun le jeu et tout. Déjà, tu n'as pas besoin de toucher le jeu parce que tu peux faire... un putain de wizard. Il suffit juste d'appuyer sur X. Mais il y a vraiment une excellente ambiance, quoi. C'est juste dommage pour la décomposition de l'animation et le au corps à corps à distance, c'est bon. Et ce manque d'impact quand tu fais des coups. Voilà quoi, donc c'était Curry, enfin Fury. Et bonne soirée.